Bon ben voilà, ouais. On reste chez nous tant qu'on peut pour pas choper et surtout refiler ce satané virus et la vie continue. Nous on est là, 3 heures, certains doivent continuer à travailler, d'autres ferment leur commerce, bref, c'est pas la joie. Ouais. Mais il y a peut-être des choses à faire auxquelles on n'a pas pensé passer le temps. Et je crois, Dieu sait que c'est l'objectif de notre stagiaire Mitch Pastori aujourd'hui. Salut Mitch. Yes. Mais juste tellement chaud, quoi. Ici Mitch, direct sur Coucou leur 3, la radio des alcoolos. Enfin, si l'alcool est de la muse. Alcool, ne devrions-nous pas dire plutôt alcool? La question est posée. Le confinement. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis juste monstre confiné, c'est tout, quoi, à part ça. Enfin, pas là, parce que je suis allé à l'extérieur pour bosser, quoi. Mais après, par exemple, je veux nouveau rentrer chez moi, je serai de nouveau pire confiné, mon gars, quoi, aux confins de mon appartement, en fait, quoi. Nonobstant, là où certains ne voient qu'en nuit, Arnie Croche et Barjabul. Moi, j'y vois avant tout une terre d'opportunités pour obtenir des funds. Au moins de temps qu'il nous faut pour dire quelque chose de court. Ouais. Alors, qu'à faire pendant son confinement? Comment s'occuper pendant son confinement? Ouais. Ou encore, comment ne pas s'ennuyer pendant son confinement. Voici mon analyse de les favoris de Pastori. Jingle. C'est long. Les favoris de Pastori. On t'écoute, Mitch, premier favori. Les gens inventés au 60e siècle par Frédéric Jo. Les jeux sont un moyen juste exceptionnel de se confiner. De par leur forme le plus souvent carrée, et grâce à leurs règles aspergues et frivoles, les jeux sont des outils juste monstrueux d'interactivité qui vous feront voyager au pays du rire sans quitter le confort délicieux d'une maison pleine de meubles. Très anciens, achetés dans une brocante à Paris. Stop, arrête cette phrase, c'est de la merde. Merci. Hippoglouton, charret ou encore volleyball. Nombreuses sont les jeux qui vous offriront la possibilité de jouer jusqu'au bout de la Nike, sans voir le temps étioler peu à peu les traits de vos visages, enfin, en tout cas. Ça percole! En revanche, sécurité oblige, c'est un virus de merde. Merci de privilégier lors de vos jeux les groupes de 1, quoi. Ou les groupes de 2 ou moins, quoi. D'une part, c'est beaucoup plus sûr. Mmh. Oui, d'autre part, Mitch. Non mais, hé, Mitch, arrête de te brosser les dents, c'est pas le moment, putain. Deuxième favori, mais tu fais n'importe quoi. Découvre rire. Dans ce mot valise de mon invention, j'ai intelligemment mixé les mots découverte et rire. Pourquoi? Pour expliquer qu'on peut rire en découvrant un film, un livre, une recette de fromage ou encore 3 tableaux. Nombreuses sont les découvertes que le confinement vous permettra de mettre en lumière dans votre esprit friand de connaissances exquises. Ouais, vas-y, enchaîne. Même votre appareil
appartement. Le saviez-vous? Votre appartement a parfois été occupé autrefois par d'autres locataires. Et si ceux-ci y avaient caché un trésor? Cherchez-le! Moi, par exemple, une fois, avec mon cousin Clinton Jaloux, il y avait des gens qui habitaient chez lui autrefois, puis on soudain une dalle. On a trouvé des mythes. Trop bizarre de cacher des mythes dans un appartement. Mais l'expérience était juste super fun. Ouais, ça avait l'air. Troisième favori. S'baiser. Ça paraît con dit comme ça, mais s'baiser, franchement, ça passe. Pour autant que vous soyez depuis assez longtemps confiné, pour être sûr que vous avez pas chopé le caca, allez-y juste franchement, quoi. Bon, moi, après, je peux pas parce que je suis tout seul. Je me suis fait lourder juste avant les consignes par ma cops, Lindsay Sueur, la cousine de Ludo. Elle a décidé de mettre un terme à notre relation. Mais pas grave, je me touche devant Youps. Et les dernières productions sont juste ultra qualitatives, quoi. L'autre jour, pour vous donner un exemple, j'ai regardé une scène. C'était genre 12 mires pire sexy que t'es en train de se doiter, quoi. Voilà, dis donc, les gens vont vraiment te remercier pour ces bons plans. Ça, confinement, ouais, on a bien compris. Trop beau. Bon, heureusement, tu nous as fait du bien, tu nous as fait plaisir, tu nous as donné des bons conseils, c'est le principal en ce moment. Merci pour cette chronique, mon vieux, et à très bientôt pour de nouveaux favoris. Yes, la moule!